Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons travailler les exercices d'évaluation. Commençons par la grammaire. Relie chaque réponse à la question qui lui correspond. Regardez. Non, cet élève n'est pas sage. Donc, la question, est-ce que cet élève est sage? Non, cet élève n'est pas sage. Nous irons en colonie cet été. Quand irons-nous en colonie? Nous irons en colonie cet été. Nous faisons vos devoirs. Que faites-vous? Nous faisons vos devoirs. نقوم بواجباتكم. نقوم بواجباتكم. Il n'est pas encore entré. Est-il entré? Il n'est pas encore rentré. Elle s'appelle Dunia. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Dunia. 2. Trouve les questions correspondant à ses réponses. Le matin, très tôt, le boulanger fabrique son pain. يعني في الصباح باكر الخباز يصنع خبزه. La question. Quand le boulanger fabrique-t-il son pain? Quand le boulanger fabrique-t-il son pain? متى يصنع الخباز خبزه? Le matin, très tôt, le boulanger fabrique son pain. Le médecin commence ses consultations à 10 heures. Donc, on pose la question. À quelle heure le médecin commence-t-il ses consultations? Et n'oubliez pas le point d'interrogation. C'est une question. Donc, le médecin commence ses consultations à 10 heures. Maria prend des cours de piano. Maria t'achod doros le piano. Maria prend des cours de quoi? Maria prend des cours de quoi? Maria t'achod doros meda. Doros piano. Conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. Tu feras. On a le verbe faire. Tu feras le repassage toute la journée. Tu feras le repassage toute la journée. Je ne pas venir. Je ne viendrai pas à la kermesse. Je ne viendrai pas à la kermesse. Les agriculteurs, le verbe aller, iront. Les agriculteurs iront moissonner à l'aube. La médaille reviendra au vainqueur. Vos bébés pourront dormir tranquillement. يعني لي بيبي يستطيعون النوم بهدوء. Orthographe. Réécris les phrases en mettant les mots en gras au féminin. Le vendeur informe les clients sur le mode d'emploi de cette machine à café. Le vendeur, donc le féminin, c'est la vendeuse. La vendeuse informe les clientes. Zubana, Zabounet, les clientes sur le mode d'emploi de cette machine à café. Le policier a retiré son permis au jeune conducteur. الشرطي سحب رخصة السياقة لهذا السائق الشاب. Le policier a retiré son permis au jeune à la jeune conductrice. Je répète. Le policier a retiré son permis à la jeune conductrice. L'animateur présente les artistes qui passent sur scène. Al-muqaddim yuqaddim al-fannanun alladhina yamurruna min al-khashaba. L'animatrice, donc le féminin c'est l'animatrice, présente les artistes qui passent sur scène. Ses études vont lui permettre de devenir docteur. دراساته
تسمح له أن يصبح طبيب. Ses études vont lui permettre de devenir doctoresse. Féminin, doctoresse. Pour faire publier son livre, لكي ينشر كتابه, l'auteur l'envoie à un éditeur. الكاتب يرسله إلى محرر. Donc l'auteur avec E. L'auteur, le féminin, l'envoie à une éditrice. Éditrice. Vocabulaire. Trouve quatre mots spécifiques pour chacun des mots étiquettes proposés. Des bijoux. المجوهرات. Collier. Bague. Broche. Boucle d'oreille. Ce sont des bijoux. Donc collier, bague, broche, boucle d'oreille, ce sont des mots particuliers et des bijoux, c'est un mot étiquette ou bien un mot générique. Des légumes, c'est comme aubergine, courgette, chou, navet. Ce sont des légumes. Ce sont des légumes. Donc des légumes, c'est le mot étiquette. Des oiseaux. Par exemple, canari, rossignol, hirondelle, corbeau. Donc, ce sont des oiseaux. Les saisons, yani fosol, été, automne, hiver et le printemps. Donc, été, automne. Hiver, printemps sont des mots particuliers et les saisons, un mot étiquette. J'espère que vous êtes capable de répondre à ces exercices. Je vous dis merci infiniment et à la prochaine.